Le Conseil a entendu une communication du ministre des Finances et du Budget relative à la performance de l'économie de notre pays. Il ressort de cette communication que la Côte d'Ivoire fait désormais partie des 10 premières économies africaines en se classant à la 9e place devant la Tanzanie. La Côte d'Ivoire est ainsi le 3e pays d'Afrique francophone, derrière l'Algérie et le Maroc, et le 2e pays d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. Cette résilience de notre économie est due essentiellement à sa diversification. Vous vous souviendrez très certainement que le chef de l'État s'était engagé à une transformation structurelle de notre économie par son industrialisation. Cette politique tend à porter ses fruits puisque la croissance de notre économie est portée par le secteur secondaire avec un taux de croissance de 10% et par le secteur tertiaire avec un taux de croissance de 8%, bien que nous demeurions un pays agricole avec des performances que vous connaissez. Premier producteur mondial de cacao avec plus de 40% de part de marché et depuis 2015, premier producteur mondial de noix de cajou avec plus de 20% de la production mondiale. Je passe donc les autres performances au niveau du caoutchouc avec l'EVA notamment. Le chef de l'État s'est félicité de ses performances qui, de son point de vue, reste exceptionnel, vu que la plupart des pays qui figurent dans ce classement de top 10 des économies africaines ont leur économie qui repose sur les industries extractives, notamment le pétrole et les minerais. À cela, il faut ajouter le fait que leur démographie soit plus importante que celle de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le chef de l'État a adressé donc un satisfecit à l'ensemble du gouvernement et notamment au Premier ministre et au ministre des Finances et du Budget.